Bonjour les amis, Cynthia Fianga, de son vrai nom Christelle Atangana, a encore frappé fort. Avant non, on lui reprochait de vendre son poitou, son piment en privé, de créer des groupes WhatsApp avec des hommes où elle demandait de l'argent pour leur donner des images du genre que vous connaissez. Cette fois-ci non, elle est passée à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure. Maintenant non, c'est en live qu'elle vend son piment. Maman, je vais vous faire regarder la vidéo, mais je vais un peu cacher parce que voilà, on m'a dit que c'est une vidéo un peu osée. Je vais cacher pour que Facebook ne me crée pas de problème. Je dis qu'elle était en live avec des hommes et des femmes présents sur son live. À un certain moment donné, les hommes lui ont demandé de mettre de l'huile dans sa main et d'essuyer ça sur ses deux boules de derrière là. Maman, regardez vous-même. Je suis écœurée parce que dans tout ça, il y a les femmes et les femmes ne disent rien. Genre, c'est comme si elles consentent en fait ce que les hommes sont en train de demander à Cynthia Fianga de faire. Est-ce que c'est normal? Regardez vous-même. C'est que lui, il est cher, qu'il est bengué. Non, envoie de dos. Donne-nous le dos, donne-nous le dos. Mais non, quand ça, oui. Mais t'as dit que c'est un son canaké. C'est que tu vas faire. Je dis, attends, il parle. Papa, oui. On parle alors, t'as tu ça. Laisse le conjoint. Regarde, maintenant tu vas prendre l'huile là, tu vas frotter sur tes mains, tu vas faire passer ça dans le collant pour masser tes deux boules de pendant 2 minutes. Dit, hein. Et après, c'est tout le gage. Tu passes ça par derrière, tu me masses les conneries. Les deux mains, ouais. Passe jusqu'en bas, hein. Jusqu'en bas. Descends bien, descends. Génie. Tout sous contrôle orienté, hein, Génie. Capo. Mon Dieu, je suis dépassée. C'est incroyable ce que je suis en train de voir. Cynthia Fianga, elle a récidivé, non, mais cette fois-ci, non, c'est le higher level seulement. Si vous rappelez bien, l'année passée, elle a fait des vidéos du genre, hein, mais elle est postée en privé. Donc voilà, ça passait même encore, même si la foule, le peuple camerounais s'est levé pour dire non à cet acte-là. Non, c'est pas possible. C'est un acte à condamner. Voilà comment elle s'est retrouvée à la fin de compte derrière les barreaux au Ngouata. Après quelques mois, elle est sortie avec la consigne selon laquelle elle devait être suivie psychologiquement, mais aussi entrer dans une certaine école, école dans laquelle elle n'a rien foutu. Elle n'avait ni la volonté ni l'intention de poursuivre ses études dans ce domaine-là. C'est dans le domaine artistique de la mode. Donc, les notes sont sorties, vous avez vu à la fin de l'année. Nul de chez nul. Après tout ceci, le comédien Zizou l'a pris et il a voulu développer un concept avec elle qui s'appelait Cynthia Fianga a changé, dans lequel elle essayait de nous faire comprendre que non, ce n'est plus comme ça qu'elle est. Tout ce qu'elle a vécu quand elle était au Ngouata, ça l'a vraiment changé, ça l'a traumatisé. Aujourd'hui, elle ne veut plus faire dans ce genre de choses. Minalmi, c'est mal la connaître. On dit que quand tu chasses le naturel, non, il revient au galop. Ouvrez l'application depuis mon smartphone. Choisir le produit qui vous convient. Cliquez pour ajouter au panier et définir la quantité. Passez à la caisse. Déterminez vos coordonnées pour commander. Finalisez votre paiement et faites-vous livrer en moins de 40 minutes. Gajo Livestock. Africa Best Livestock App. Mais le truc c'est quand même, dans tout ça là, quand elle a fait le live en direct là où elle vendait le piment avec des hommes et des femmes présents, hey, Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre ce genre de choses? Quand elle a fait ça là, vu qu'on peut dire en quelque sorte que Zizou c'est son tuteur, lui il n'était pas au courant, hein, il ne savait rien. Donc lui il a aussi été autant choqué que nous lorsqu'il a aperçu ces images de Cynthia Fianga, ces images tellement dévalorisantes d'elle. C'est là alors qu'il est sorti sur sa page Facebook en disant, je cite, suite à un contenu qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la sortie sur TikTok de Christelle Atangana, connue sous le nom de Cynthia Fianga, je tiens par ce canal à présenter mes excuses à toutes les personnes que ce passage en direct a pu offenser. Je n'ai en aucun cas voulu tromper l'opinion publique quant à mon engagement envers celle-ci de sa rédemption. En effet, cet extrait vidéo que j'ai reçu par le biais d'un proche m'a tout autant surpris que vous, puisque j'avais fait des interventions en y mettant ma crédibilité
invitée dans le souci de participer à l'amélioration du mode de vie de Christelle Atangana pour qu'elle puisse être un modèle pour tous les jeunes qui seraient amenés à la suivre. Ne tolérant pas l'atteinte à la putride et le non-respect des consignes qui étaient pourtant le socle de notre collaboration, il parle de Cynthia Fiangan à changer de leur concept qu'ils avaient mis sur pied. Je prends la décision de mettre fin à la production du contenu qui lui était destiné et arrêter de prendre en charge tout ce qui constitue sa formation. Avec mes sincères regrets, Zizou. C'est-à-dire que Zizou est comme le tuteur de Cynthia Fiangan. Il a essayé bien que mal de la suivre malgré tous ses précédents très 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 négatifs. Vraiment négatifs. Elle n'a fait que du négatif. En dehors de la petite série qu'elle avait commencé à tourner lorsqu'elle est sortie du Quatala, qui franchement lui allait à merveille. Elle était géniale dans ce rôle-là. Donc Zizou l'a pris sur son aile. Il a dit qu'il va essayer de l'aider, d'aller de l'avant, de la suivre, de la valoriser avec ce nouveau concept. Mais hélas, dans son dos, regardez ce qu'elle va faire. Non, c'est pas possible. Moi, je suis d'accord avec lui hein, de mettre fin à ce contrat. Ça ne sert à rien à ce genre de personne de donner une troisième, quatrième, cinquième chance parce qu'elle va toujours récidiver. Elle a déjà eu sa première chance en sortant du prix. Elle a commencé sa petite série qu'elle tournait en bagne, en parlant le patois. C'était trop top. Mais vu qu'elle a trouvé un truc, un concept avec Zizou qui devait lui donner plus d'argent, qui devait lui rapporter beaucoup plus de valeur, elle a abandonné l'autre là pour rejoindre Zizou. Et ça a fonctionné pour un début. Sauf que les plus âgés, parmi lesquels par exemple Valsero, ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez, ils ont prévenu Zizou que Zizou, comme tu vois là, non, la fille ici là, elle n'a pas changé. Cynthia Fiangan n'a jamais changé. Que c'est qu'elle est en train de préparer là, non. Le coup qu'elle est en train de préparer là, non. Ah, on va dire qu'elle vise haut, comme Jana voulait. Voilà les retombées maintenant. Tu as vu ce qu'elle est en train de te faire, non. Sincèrement, non, moi je suis d'accord avec toi. C'est mieux de mettre un terme à ce contrat. Parce qu'elle ne va pas changer. Même si elle vient pleurer derrière toi aujourd'hui, que pardon, excuse-moi, je ne vais pas recommencer. Franchement, non, il faut qu'elle fasse d'abord ses preuves à côté. On voit comment elle évolue avant que, bon, si elle évolue dans le bon sens, suivant les bonnes règles et tout, qu'elle commence même d'abord par se remettre à l'école. L'école que tu as payé, maman, voilà ça que tu dis. Tu dis que tu as payé son école. Elle ne part pas, mon frère. Elle veut quoi? Elle a tellement montré avec plusieurs preuves qu'elle n'a pas l'intention en fait de suivre la bonne voie, qu'elle n'a pas l'intention de changer. Donc pour moi, non, pardon, éloigne-toi d'elle, mets-la à distance, même si tu veux l'aider, non. Aide-la d'abord à distance, qu'on voit à quel point elle évolue, à quel point elle est décidée dans son changement. Alors là, dans un futur, peut-être proche ou lointain, qui sait, tu pourras encore décider de t'associer avec elle. Mais pour le moment, non, pardon, chacun fait sa route. Mais Cynthia Fiangan, je suis une fois de plus déçue par ton comportement. Et je pense que le peuple camerounais en dira de même. Comme d'habitude, laissez vos avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt. Un nouveau Toli, sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Every day I go wrong. And this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day. You with love where you don't believe. Everyone you see, be a time. Say I'm sorry.